Bienvenue. Yeah, YouTube, c'est Sean Kazma et la petite Stahl. Comment tu vas, la petite Stahl? Je vais bien parce que j'ai dormi. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Ah bah ça c'est cool, elle va bien. On est de retour aujourd'hui, monsieur Lame, pour essayer notre aventure incroyable sur Go Vacation. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé aujourd'hui. On est de retour pour l'épisode 10 avec la station de montagne. Et du coup, Tikazma, Stahl et Paona, c'est à toi de doubler, ma petite Stahl. Encadrée par de majestueuses chaînes de montagnes et de paisibles collines, la station de montagne est un paradis à l'air libre. Vous pouvez la visiter à cheval, en véhicule tout-terrain ou en kayak. Je crois que je t'avais déjà dit, hein, mais quand tu es sérieuse, on dirait vraiment un documentaire animalier, c'est terrible. Il y a un bateau et un train touristique, n'hésitez pas à les essayer. C'est trop fort, j'adore. C'est parti pour la course aux vignettes de Kawaii, la première activité que je vous recommande pour vous familiariser avec la station de montagne. Tennis. Oh, trop bien, il y a du tennis dans le jeu. Ah mais oui, en plus, je crois qu'on en avait déjà parlé. Du coup, monsieur dame, on est rôti par après quelques semaines pour nous de retard. Et on a des poneys over soyez du goulot et du flow. Ah par contre, oui, c'est vrai, ça se joue avec le gyroscope. Ça fait longtemps, il va falloir nous excuser. Attends, on peut sprinter? Attends, comment on avance? Ok, on avance, arrêt brusque, ok. Moi je vais changer mes trucs. Hein. Et du coup on peut sprint. Ah oui, du coup, alors attends, c'est très important. T'as vu comment elle est habillée? Ouais, c'est trop compliqué. Oh la vache, c'est une sorcière. C'est une petite Link des forêts des bois. Ok, oh c'est trop stylé, on descend. Oui, donc c'est parti pour changer de tenue parce que du coup, première fois qu'on débarque et on est sapé comme... Comme jamais. Voilà, exactement. Eh, tu le fais mieux que moi, tiens, c'est rigolo ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Parce que du coup, on enchaîne les récompenses hebdomadaires sans jamais pouvoir les essayer. Et tu penses qu'on peut mettre la tenue d'écolière et d'écolier? Un petit... Non, c'était pour la ville. Attends, fais voir tout en bas. Tout en bas... On a rien? Non. On a que dalle! Mais c'est d'une tristesse! Petit pull de montagne. En fait, il y a carrément rien qui me plaît, je remarque. Après, faut voir avec les couleurs, mais il y a beaucoup de chemises. Il y a des gilets, ouais, pourquoi pas. Il y a une tenue de moto. Moi, je veux le petit pull de montagne. À la limite, ouais, c'est le moins... Quoi que ça fait mémère un peu, quand même, le gilet. Mais moi, ça me va bien. J'aime bien les gilets de montagne, mais tu vois, en l'occurrence, celui-là, il fait mémère, je trouve. Moi, j'aime bien. Mm-hmm. Mets des couleurs pas trop dégueu, alors, parce que sinon, on va vraiment pas s'en sortir et ça va être comme ça, c'est joli. Ouais, à la limite, c'est sobre, c'est net, ça passe. Voilà. Oh, mon Dieu. Ça, c'est les claquettes. Les sandales de montagne avec les chaussettes, s'il vous plaît. Je demande des chaussettes. Je demande des chaussettes. Par contre, je me posais une question, mais du coup, pour les vignettes Kawaii, il y en a moins qu'en ville. Je pense qu'en ville, c'était là où il y en avait le plus. Ce qui veut dire qu'en ville, la zone, on va très très vite la torcher. On vous rappelle que depuis la station urbaine, on fait ça. Enfin, la station de la ville, on fait ça. On s'occupe de récupérer les trésors de notre côté, puis ensuite, on vous les montre. Voilà, comme ça, on perd pas de temps avec ça. Et dès qu'on a l'occasion, on enchaîne directement avec les jeux. Ah, le petit chapeau de paille. Ah, il y a toujours un chapeau de paille. Est-ce qu'il y a un chapeau de cowboy? Je veux un chapeau de cowboy. Parce que je vois qu'en fond il y a un chapeau de cowboy, mais je pense qu'il faut le déverrouiller. À mon avis, il y a des tenues de cowboy, il y a des tenues d'indien, il y a des tenues de shérif, il y a des tenues de l'aventurier, il y a plein de trucs très swag. Mais à tous les coups, tout est dans des trésors. Faire un presso, sauf que le presso c'est quand on sera à la montagne de glace. Petite question, est-ce qu'il y a une différence entre montagne et montagne de glace? Ou c'est le même endroit sauf avec de la glace? Ah non, c'est pas du tout le même endroit. C'est pas du tout le même endroit, d'accord. Ah, moi, Okazma, qui n'est pas du tout sapé comme jamais. Alors, avec nous, on a l'avatar de Monsieur Paona, parce que du coup, puisqu'on est parti en vacances 2 semaines, on a ramené le jeu, et monsieur s'est créé un avatar. On en avait un deuxième, sauf qu'on vous le montrera peut-être plus tard. Et là, on a un chien. Un chien qui s'appelle Igloo, et c'est le chien de Simba. Voilà, et du coup, c'est un husky, je crois. Oui. Husky, attends, fais voir. C'est un husky, très bien. Sauf que du coup, c'est pas du tout ce que je voulais. Je n'y arrive plus avec les touches. Je sais plus comment manger à la caméra. C'était pas la flèche du haut et du joystick, un truc comme ça. Je sais plus. Parce que là, ça va pas. Hein. Alors, en termes de chapeau, le chapeau de paille, s'il vous plaît. Juste par contre, voilà, la fichole, chapeau de paille original me va très bien. Les lunettes sont dégueulasses. On est tous d'accord avec ça. La tenue est dégueulasse. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ça va bien ça. De quoi ça? Une petite chemise, ouais. Ah, j'aime bien, ça fait un peu paysan. Non, mais c'est vrai que c'est un faux air un peu paysan. Tu sais, tu me vois semer du grain de riz là partout dans la montagne. Tellement. Mais oh là là, après oh, mamie, Dieu. Papy. Oh la Dieu. Vache. Oh, j'aime bien ça à la limite pour faire du canoë. Attends, ça pourrait être chouette. Ouais, vite Zef alors. Hein, parce que du coup, on n'est pas sur de la tenue qui me plaît beaucoup là. Hein. Genre. Oh putain, il y a tout qui me rend vieux. Mais c'est terrible.
Bah écoute, on va partir sur le moine Shaolin qui parcelle du riz partout dans la montagne. Hein, parce que franchement, c'est le moins laid. Ça te va bien, hein. Et du coup, non, ça non. Parce que j'adore être immonde dans les jeux vidéo. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est... Déjà, en vrai, je peux pas en voir, mais alors moi-même, c'est juste pas possible. Mais c'est vrai que, en termes de variété, j'avoue que pour les tenues de base, c'est pas oufissime. Du coup, j'espère qu'on va très très vite en déverrouiller. Donc on est parti. On part à la découverte des activités du game. Et si je me rappelle bien, nous a parlé du tennis. Donc du coup, c'est parti. Allons trouver le tennis qui se cache quelque part dans la montagne. C'est un tennis légendaire en vérité. C'est vrai qu'on peut jouer avec le Yeti. Mais pour ça, il faut trouver le Yeti. Non, c'est la madame qui me l'a dit. C'est quoi déjà la peinture? Je me rappelle pas de la peinture. C'est des véhicules. Oh, attends, ça veut dire qu'on peut taguer le poney? Est-ce que je peux taguer mon poney? On peut changer le poney. Est-ce que je peux taguer... Ah, ça... Ouais. Trop bien. Alors attends, du coup. Non, ça m'intéresse pas, juste ça comme ça. Ah, on peut se déplacer en train. Oh, c'est génial. Oui. Alors attends, parce que du coup, la carte a pas l'air plus grande que d'habitude, mais tu m'as dit que c'était plus grand, donc du coup. Non, j'ai pas dit que c'était plus grand, mais c'est grand quoi. Ah, ça se voit quand même que ça. Oui, il y a des 4x4. Bah attends, on ira plus vite en 4x4, non? Ah, oui, bien sûr. Oh, bah attends, je vais prendre un 4x4, moi. Oh là là. Attends, parce que bon, j'aime bien les poneys, mais les 4x4 quoi. On est au 21ème siècle. Kazma il roule en 4. Est-ce que tu penses qu'on peut rouler à 2 dans le même 4x4? Oui, on peut. Ça c'est bien, ça c'est très très bien. Et est-ce qu'on peut être à 4 dans le même 4x4? À 4 dans le même 4? Peut-être, je ne sais pas. Ah, ce serait bien quand même. Bah, du coup, c'est très sympa jusque-là. J'avoue, je vais pas te mentir, c'est pas mon paysage préféré. À la limite, ça manque de verdure. Toi aussi, tu trouves que ça fait très plat en fait? Bah, tout à l'heure, parce que plat en fait. Ah oui, mais la montagne elle est derrière en fait. Ah, d'accord. Bah écoute, ouais, on ira visiter plus tard. Oh, j'ai trouvé un truc pour manger. Attends. J'attends que tu me rejoignes et du coup, on fait le tennis parce que le tennis, je l'ai déjà trouvé, hein, moi, pas de problème. Mais d'abord, je veux manger. Ouais. Et je mange quoi? Oh, je mange des sandwichs triangle sur le terrain de tennis. Parce que je... Ah zut, attends, je suis sorti. Pourquoi je suis sorti? Mémé, je veux un sandwich. Mémé. Bah, elle s'appelle Mémé, d'abord. Tout le monde, il l'appelle Mémé. C'est la Mémé de tout le monde dans la montagne. Même qu'on l'appelle Mémémon. Parce que c'est la Mémé de la montagne. Voilà. Bon, moi je remonte des. Enfin, je remange des triangles et ça se passe bien. Tu viens ou pas? Attends. T'en es où? Ah, le mec pour les messages là-bas, c'est ça? Non. J'ai déjà vu. Mais si, je peux pas. Oh, c'est quoi? Oh, c'est un raton laveur! Trop bien, il est où? Attends. Parce que si t'as trouvé un raton laveur, moi aussi je veux un raton laveur! Où est le raton laveur? Il y a un castor aussi. C'est quoi? Ah, c'est un castor. Oh, mais il y a des super animaux ici. Attends, 2 secondes. Un castor. Ok, moi j'ai un cul de castor. Oh, on a pris en même temps, check ça. Travail d'équipe. Oh yeah, babe. Castor d'Europe. Ouais, moi j'ai un cul d'Europe. Rocket Raccoon, il doit être plus bas. Et ensuite, ensuite on s'attaque directement au tennis. On espère avec Asma que vous êtes content de nous retrouver sur cette série. C'est un petit peu la série qui met du temps à sortir, c'est vrai, mais parce que c'est en fait une série détente. Voilà, on se presse pas pour la sortir. C'est le tennis. On y joue, on a envie d'y jouer. Oh, il est tout mignon. Oh, il avait une petite. Pousse-toi, Igloo. Igloo! Des moutons! Bon, du coup, j'ai un cul de chien mêlé à une tête de raccoon. Génial! Ça fait la photo ever, non? Ah, c'est stylé, moi j'aime bien. Oh, il y a des moutes-moutes! Des bébelles! Ah, je me disais bien que j'avais vu des moutes-moutes. Parce que j'ai vu des cubes blancs tout à l'heure, j'étais pas sûr de ce que j'avais vu. C'est dommage par contre, parce que Igloo il peut pas monter. Igloo il peut pas monter, et moi tu vois, ça me déçoit. Ça veut dire que le jeu il est mal fait, c'est dommage. C'est dommage. Attention! Ok. Ah, par contre, c'est chiant, hein, parce que autant sur la plage, c'était sympa, sur la ville, c'était sympa, mais sur la montagne, tu sens que le jeu, il a pris un coup de vieux, en fait, en termes de graphisme. Ouais. C'est, non, vraiment, c'est dommage, parce que je trouve que c'est pas l'endroit le plus joli. C'est plat. En fait, mais on dirait fait, un jeu peux... PC avec des textures qu'on regarde, peut charger. Tu vois le pont tout l'eau, tu peux monter hein, jusque là-haut. Attends, c'est moi ou mon 4x4, c'est un Ford? Parce que du coup, je crois qu'il y avait de la marque, hein, on rigole même pas. Hein. Où c'est que je peux monter? Attends, fais voir. Genre, tout là-bas, là? Ouais, tout là-haut, tu peux monter. Ah, tu m'intéresses, là. Du coup, je te propose d'aller faire un tennis, et ensuite, on va voir si on peut escalader la montagne. Enfin, voir s'il y a une activité là-bas. Tennis, ça veut dire, à mon avis, un petit stall versus. Je pense qu'on va s'affronter. À toi de doubler. Attention, je vais servir. Hein, comment ça, vous n'avez pas votre raquette? Vous devriez toujours l'avoir en main. On ne sait jamais quand la prochaine balle va arriver. Oui, bah oui, je vais toujours avoir une raquette dans mon slip, d'ailleurs. Vas-y, voilà que ça me reprend, je peux plus penser à autre chose qu'au tennis. Allez, cinglés. Ils sont tous cinglés de leur sport, de toute façon. C'est ici que vous pouvez participer à l'activité tennis. Vous pouvez jouer en solo ou à plusieurs. Après tout, tout le monde adore le tennis. Oui. Enfin, non. Enfin, oui. Moi, j'aime le tennis. T'aimes le tennis? J'aime bien me lancer des balles à moi-même sur le mur de la maison de mes grands-parents.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est la tristesse. Ouais, c'était un peu la solitude. Ah, oh, tu me fais de la peine. J'espère que les contrôles, ça va être les mêmes que le beach volley. J'ai jamais eu personne pour jouer, moi, tu sais. Hein. Est-ce que tu veux continuer de... Attendez un peu, une minute. Igloo, tu vas recevoir la balle en plein milieu si tu t'approches trop. Oui, donc comment ça, t'as jamais trouvé personne pour jouer? Bah, je suis unique, Enfin, voilà. T'avais des copines, quand même. Mais oui, mais c'était chez mes grands-parents. Chez moi, je pouvais pas jouer. J'étais en appart. Oui, c'est vrai. Ah, parce que du coup ta maison tu l'as que depuis quelques années, bah depuis qu'on se connaît en fait. Du coup t'as vu les contrôles ou pas? Ça a l'air hyper simple. Non, j'ai pas vu. En gros c'est joystick et X pour taper. Ok. Là franchement on est dans la simplitude totale. Ouais, c'est un 2 contre 2 et je suis encore contre toi, hein. C'est marrant mais les premiers matchs c'est toujours l'un contre l'autre. Ok, donc je fais l'engage, chaud patate. Vas-y. Tu sais de quoi ça manque du coup? De technique, parce que du coup on parlait encore justement de Mario Tennis il y a encore quelques temps. Ah, si. C'est comme dans le beach volley, la première partie on l'a fait en auto. C'est dommage d'ailleurs, parce que franchement ça montre pas à quel point les mini-jeux peuvent être chouettos. Ok, mais ça manque de smash. Est-ce qu'on peut se matcher? Je sais pas si on peut se matcher. J'arrive pas à faire d'autres techniques. Ah mais par contre, ah ouais. Ok, tu peux appuyer sur Y ou X, c'est la même chose. Bon du coup il y a quelqu'un qui met un point ou pas là? S'il vous plaît, on demande un point. Oh, bitch. Oh, ma copine en plus. Mais en vrai, la balle, on l'a jamais revue. Elle l'a mangée. Je suis sûr, elle l'a mangée. Et du coup, il y a faute. Il y a faute et un point pour nous, non? Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Non, je déconne pas. Non, c'est vrai, il y a faute. Non, il n'y a pas faute. Mais là, il n'y a pas faute. Est-ce qu'on peut diriger la balle? Parce que du coup, ouais, on peut diriger la balle que dalle. Mais c'est dommage. Pourquoi les premiers mini-jeux se font toujours en carton? Ah, on peut jamais vous montrer les vraies parties de Wolfgang. Non, mais c'est trop dommage. Ah, je suis trop le déçu. Vas-y. Allez. Mais fais quelque chose, copine. Putain, elle sert à rien, hein. Non, quoi? Oh, je l'ai remis quand même. Oh, merde. Chaud patate. 15-15. Ça risque d'être long. Okay. Bah, je pense qu'ils le font qu'en un set. Parce que s'ils le font en plusieurs sets, ouais, ça va être trop long. Mais non. Moi, pour moi, c'est un set, comme au beach volley. D'ailleurs, au beach volley, je me rappelle même plus combien comptait les points. Je crois que c'était 7 points, un truc comme ça. Oh, j'ai failli laisser passer la balle. Oh la vache, c'est mon oreille qui a frappé. Oh la vache. Ok. Oh, c'est bon. J'ai eu hors écran, mais je l'ai eu. Oh, bien joué, copain. Ouais, mais vous trichez aussi. Attends, toi, t'as un mec qui sait jouer. Moi, j'ai une nana qui regarde et qui joue pas. Elle joue pas. Littéralement pas. Donc maintenant, faut jouer. Donc tu joues, s'il te plaît. Madame, faut jouer. Madame, joue. Elle me gave, je suis... Et bordel, arrêtez de lui faire manger la balle. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça vous fait gagner un point, en fait. Tuer des gens vous fait gagner des points dans le sport. Bah ouais. Le tennis, c'est pourri. Non, mais par contre, j'ai vu un truc pendant le score. Je pense que c'est en 2-7. Ouais, genre, bah, un set, je sers, et un set, tu sers. Et bah du coup, voilà. Pour les personnes qui ne savent pas, parce que c'est vrai que le tennis, ça paraît compliqué au premier abord. En gros, quand vous marquez un point, ça fait 15 points. Ensuite, ça fait 30 points, 45, et ensuite tu gagnes, c'est ça? Tu gagnes un set, je crois. Et à chaque set, tu changes. Donc, ouais, avantage, c'est l'équivalent de tu gagnes, quoi. C'est je me laisse perdre, mais je l'ai fait exprès. J'ai pas tout compris. Bah, en gros, je l'ai pas eu. Genre, j'ai tapé et la balle est passée. Mais je l'ai fait exprès. Ah, c'est moi qui sers. Bah oui, parce que du coup, on a fini un set. Mais je sais pas si c'est les vraies règles, parce qu'il me semble oublier un truc. Après, il y a les zones aussi, hein. Ça c'est encore autre chose. Genre, quand t'es en solo, je crois que t'as le droit qu'à la zone arrière. Quand t'es à deux, t'as le droit aux deux zones, c'est pas ça? En fait, quand t'es tout seul, t'as pas les deux bandes sur les côtés. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, je savais bien qu'il y avait un truc comme ça. Mais du coup, de toute façon, j'ai beau expliquer les règles, hein, quand je vous ai fait la vidéo de démo sur Mario Tennis sur Switch, j'ai tout chié. Donc en l'occurrence, c'est pas moi qui peux vous expliquer les règles. Par contre, je suis devant et je remarque que tout de suite les passes elles se font un peu mieux. Hein. Donc hop là, hop là. Oh, bah du coup je te check pas parce que voilà, mais... on en est à 30 points. Non mais techniquement apparemment ça se fait en 2-7 gagnants en fait. En 2-7 gagnants. Ouais, parce qu'on avait chacun deux petits points de notre côté. D'accord, bah ça veut dire que si je gagne le 7, c'est pas fini. C'est quoi, je vais peut-être faire exprès de te laisser gagner. Oh non, même pas en rêve. Je vais mettre 3 quarts d'heure s'il faut, mais je vais te vaincre sur ce round. Oh, bien joué. Mais copine, fais un truc bien. Oh là. Tiens, regarde-toi, on a deux petits points. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça, donc c'est même pas des 7, c'est carrément des... Ouais, si on peut compter ça comme des... J'aime pas comment on peut compter ça. Comme dans un jeu de combat, en fait. Quand tu bats un ennemi une première fois, Tu as un point, on va dire. Un point. Oui, non, mais ça porte un nom, hein, mais là, je sais pas. Par contre, du coup, on se fait zigouiller. C'est-à-dire qu'on a réussi à remettre un point, mais c'est tout.
C'est en l'occurrence, t'as marqué 4 fois? Non, 5 fois. T'as marqué 5 fois et moi 2 fois. Je suis content. Je suis content. Il y a un bon ratio, je trouve. Tu me laisses marquer une dernière fois, s'il te plaît. Hop, hop, hop. Hep, hep, hep. Eh non, mais je rattrape avec le mur en fait. C'est quoi? C'est l'écran partagé qui me permet d'avoir la balle. C'est tout. C'est parce que ça rebondit dessus. Sinon, que dalle, hein. Par Oh la contre, c'est quoi vache. ce rond qu'on voit des fois là au C'est en sol? fait quand ton adversaire il rattrape la balle de justesse, tu peux faire un smash. D'accord. Ok, bah écoute, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Donc il y a des limites, limite smash. Ouais. Ok, d'accord. Allez, Copine. allez, Ah, elle a Nazma. regardé la balle, elle a fait. Oh la Oh. balle. Non, mais c'est. Elle m'énerve! Elle m'énerve! Comment ça, égalité? Genre, ça marque égalité, quoi. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Bordel, c'est chaud. Ouais, du coup, je regarde à droite depuis tout à l'heure, mais c'est parce que je vérifie la cam en fait. Parce que du coup, j'ai changé un petit peu les réglages. Et normalement, ça devrait mieux fonctionner Me qu'avant. fonctionner. Mieux fonctionner qu'avant. Par Oh, rapport mais qu'est-ce que t'as à la qualité de qui, moi? Non, mon copain, il l'a mise dans le Ouais. Bon, t'as toujours un round de plus que moi. Ah merde, j'ai cru que c'était moi qui tirais! Non! Jamais! Non, non, mais je peux pas me déplacer. Déjà, juste le fait de pas se déplacer, c'est chiant. filet. C'est arrêter de nous faire des rounds dans le carton, quoi. Ça casse le Oh, rythme. tu Ça vois, casse le et rythme. là C'est pour tu ça fais qu'il un faudra smash. absolument qu'on vous remonte du beach volley. Parce que sans déconner, depuis Putain, je qu'on a croyais qu'il allait la rejoué, rattraper, ce con! ça se passe tellement mieux. D'ailleurs, on a toujours une étape sur le beach volley à terminer. La dernière qu'on avait ratée. Parce qu'on a Impossible. réussi toutes les autres et la dernière, on l'a ratée à un point près. Tu te rappelles pas? Chez Simba, quand on jouait et tout. On était trop fort et puis d'un Peut-être. coup, on était plus fort. Ok. Ah ok. Ah Ah, c'était beau! non! C'était du beau jeu, là. Bon, égalité? Mais oui! Ah, t'as rattrapé tous les points! Ah, j'ai cru que t'avais gagné. Ah, d'accord, ok. Bon, écoutez, du coup. Eh bah, du coup, il me reste encore 4 points à marquer si je veux espérer gagner. Tout va bien? Tout va bien? Il y a égalité, exactement. Olé! Olé! Allez, 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 allez! Allez! T'as mes copines! Fais un truc! Oui, bien joué! Copine! De toute façon, dès que vous jouez contre moi, ça marche pas. Mais dès que vous jouez contre elle, ça marche. Arrêtez de l'attaquer, c'est une novice! Balle de match! Comment ça va? Je comprends que dalle, moi, ça fait. T'ai dit, tu peux. T'es obligé de gagner avec 2 points d'avance, comme le ping-pong en fait. Ouais, non, mais d'accord, mais. Bon, Bah, tu sais, on tu le était dis à comme le égalité, ping-pong. là j'ai l'avantage, et là je gagne. D'accord, donc c'est quand même la fin que je comprends pas. Parce que t'as beau me dire comme le ping-pong, je connais pas les règles du ping-pong. T'es obligé de gagner avec 2 points d'écart. D'accord. C'est comme si tu me disais, tu vois, les règles du beach volley, c'est comme. Je sais pas, moi, le Mais je pense rugby. que en fait Je dans sais pas, moi, tout je connais pas les règles du dans, rugby. dans tous les jeux de balles comme ça, c'est à peu près pareil. Ah, pas le volleyball, le. Tu piques? Oui, mais attends, je cherche le nom. T'as le tennis, et qu'est-ce que tu fais avec un volant là? C'est un. Du badminton. Badminton, merci. Je connais pas les règles du Mais je badminton, c'est pense que pareil? c'est pareil aussi pour. Enfin pour gagner en tout cas. Il me semble, hein. Je sais pas, aucune Après, putain d'idée. voilà. La route de la cime Ouroboros. Ah oui, carrément, le chemin que t'as pas envie de prendre, C'est clair, tout en zigzag à mi-pente du Mont Shangar. Du Mont Mais donc, Shangar. mes souvenirs du badminton, ça remonte au collège. Hein. Oh là là, c'est loin alors. Bah oui. Ah, et du coup, on a que 10 On activités à va faire faire. du Bah, très poney! bien. Moi, ce que je te propose, c'est de tenter d'en faire C'est de encore faire au du moins deux poney! avant la fin. De faire du poney. Ah, genre du parcours. Enfin, du truc d'obstacle. Pour Vas-y, poursuivre la toi course qui dis vignette de quoi? chaos. Oui, je vous recommande l'activité. Équitation! Équitation! Allons-y! Bah, du coup, on est déjà à dada. Je peux pimper mon cheval? Ouais, je sais pas si tu Ah le veux en bah non. activité, mais. Non, bah vas-y, t'inquiète, on le fera entre l'inter-épisode. C'est pas vrai. Fantastique, tu as terminé sans activité, mais je crois, attends, je vérifie, que je suis. Ah, pas plus haut que toi? Bah, j'étais plus haut que toi pendant un temps. Ouais, c'est vrai. Tiens, c'est marrant ça. Oui, il faut savoir que quand on a joué en off, à un moment, Stal, je l'ai énervé, parce que sans le faire exprès, je lui ai passé 2 niveaux devant, Ouais. et du coup, maintenant, c'est l'inverse. Je crois que Du c'est coup, on va par croire là. que je suis naze. Attends, je sais pas, je suis curseur bleu, moi. Ouais. Curseur bleu. Allez, allez, Ouais, allez, c'est allez, là. allez, allez, allez. Si je suis à côté, de toute façon. Mon souvenir. Vas-y, 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 lance l'activité, j'arrive! Lance l'activité! J'arrive! T'as mes igloos, il court plus vite que moi. Ouais. Comment il fait pour courir plus vite qu'un dada? Merde, j'ai C'est pas dépassé logique! l'activité. C'est pas logique! Et t'arrives pas à faire demi-tour en dada? Ah bah bravo! Bienvenue à l'écurie d'Ocarina of Time! Ok, oh c'est joli! Oh, putain, mais ça manque de parcours. Est-ce qu'on va faire du parcours? Je veux faire du parcours. Bonjour, j'ai pour mission de présenter à tous les clients de la station d'activité l'activité équitation. Voulez-vous essayer? Ah, il ne faut pas en avoir peur, les chevaux sont des bêtes très gentilles. Sans parler de leur intelligence, vous y arriverez en un rien de temps lorsque vous en montrez un. Alors, enseigne et accrochez-vous aux rênes, que l'activité commence! Vos amis veulent bien attendre ici, hein. Ils peuvent jouer avec les chevaux en attendant, bien sûr.
Alors, viens voir. Ah oui, c'est des courses comme ça. Oh putain, c'est une route. Ah, c'est... Il faut juste sauter. Ouais. Ouais. Ça va, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Mais du coup, il y a des rangs. Oh, ça va être compliqué. Je suppose qu'il y a des niveaux. Oui. Oh là 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 là. Et je crois qu'il y a des courses aussi, parce que là, on va faire du saut d'obstacle, mais il y a des courses. Oh oui, ça m'étonnerait pas. De toute façon, regarde la station urbaine. T'avais mis un truc avec les rollers et les skates. Hein. Pourquoi tu fermes les yeux? Genre, nanana, concentre son chakra pour faire l'équitation comme ça. Attends, quoi? Hein? Mais, il y a deux secondes, il y avait rien à faire, et maintenant... Oh, bordel, mais tu me voles toutes les pièces aussi. Mais j'ai que dalle. Hé, hey, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Non, ça se fait ap. Ça se fait ap. Ouais, merci. Trop gentil. Franchement, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, je suis super content. Ah, mais au moins, je repars pas bredouille. Je repars... Non, mais attends, elle me zigouille toutes les pièces. Elle me zigouille toutes les pièces. Qu'est-ce que tu veux jouer? Oh, y'a pas de jeu, quoi. Y'a pas de jeu. Il faut qu'on fasse 800. Quoi? T'es déjà à 210, hein, n'est-ce pas? Par contre, effectivement, j'ai failli snobber une pièce game. Pourtant, voilà, je suis en retrait, j'ai le time, hein. J'ai le time. Eh, toi, tu peux le faire, les 800, donc arrête de te plaindre. Moi, je vais m'arrêter devant, tu vas voir, je vais faire 750. Je vais avoir dans le baba, dans le huc du cheval, hein, avec toutes les pièces que j'aurai amassées. Ok, 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 ok. 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 Ah, raté. Attends, comment t'as fait pour rater toutes les pièces d'or? Il y en avait deux à chaque fois. Ah, oh, ils sont gentils. Bande de gentils gens, bande de gentils gens, bande de gentils gens. Ah, drift. Ok, 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 ok. Et tu t'en rapproches à l'air de rien, hein? Moi pas du tout, mais toi oui, franchement oui. Oh, mais c'est à nous deux, c'est un cumul en fait. Ah oui, d'accord. Oh, oh, ils sont gentils. Oh bah ça se passe bien alors, c'est comme la pêche. Tu sais, la pêche, ouais. Quand on récupère des poissons, on a le cumul des points. Oh bah, tranquille. Tranquille, non, vraiment. Franchement, ça va. Ou alors, en même temps, l'inverse aurait été étonnant, quoi. Ah ouais, non, par contre, ça aurait pas été sympa, quoi. Mais il y a des jeux où des fois, t'es obligé de le faire deux fois. Genre, tu vois, le jeu de la tarte à la crème. Bah, il y avait que moi qui a pu jouer la première fois, du coup, ouais. Il faudrait qu'on le refasse, mais que toi, tu joues. Ah, on en a 1230. Il reste 5 secondes. Honnêtement, je pense que c'est oui bon. Nous, on a fait un tour de circuit. Ouais, check ça. Travail d'équipe de qualité. Success. Success. On a été bon. Oui. Je m'attendais à du vrai parcours. C'est pas mauvais, mais un peu déçu. Un peu déçu de l'équitation, j'avoue. C'est, ça ressemble trop au jet ski. Mais le jet ski, c'est rigolo parce que tu peux plonger, t'as des anneaux à faire, ça va vite et tout. Bah, je sais pas. Là, Bah, la montagne, c'est un peu plus calme. Hein, Ah, mais là, tu vois, c'est un peu trop, je trouve. Ah, vous voyez comme c'est amusant de monter à cheval. Il vous reste du travail pour développer votre relation avec votre cheval. Je vous attendrai ici avec les chevaux, alors revenez de temps en temps. Félicitations, Tikaz Maestal, vous venez d'établir un nouveau record. On dirait que votre cheval est aussi content. Voyez, ouais, Glou qui est debout. T'as vu un peu? T'es trop swag. On peut faire du deltaplane. Ça a l'air trop bien. On peut faire du canoë kayak, de la course de 4x4. Oui, du paravent, pardon, excuse-moi. Du tir à la cible, du tir au vase aussi. Du tir au frisbee, comment ça s'appelle? Oui, je vois de quoi tu parles. Et du tir de précision. Il y a beaucoup de tirs ici. Hein. Ouais, oh, la montagne, c'est calme. Ah, mais n'importe nawak, tous les matins, moi je sors mon fusil. Hein. Pour poursuivre la course aux vignettes de Kawaii, je vous recommande l'activité parapente. Un petit parapente? Avant la fin? Un petit parapente. Allez, un petit parapente avant la fin. Et dans l'épisode prochain, on aura déjà pimpé nos chevaux. Et on pourra enchaîner avec tout plein d'activités incroyables. Et du coup, je passe le level 37, c'est incroyable. Alors que ça l'enchaîne avec le niveau 39. Po. Non, t'as on va prendre un 4x4, non on va... Ouais, ouais, franchement. Tiens, il y a un 4x4 là. Oh, attends, il y a des vaches. Attends, quoi? Oh, des vaches. Oh, la vache. Le mec qui fait des jeux de mots chelou. Qui ne servent à rien. Qui sait des blagues faciles. Y a des photos à faire là, je m'en moque. Est-ce que... drift en cheval. Je vais prendre le 4x4. Okay. C'est moi qui conduis. Ouais, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Mais bon, j'ai Micheline la vache. Micheline, non, Marguerite. J'ai Marguerite la vache. C'est parti. C'est un cliché, Marguerite. T'es bien? Ouais, j'arrive. Y a pas d'autres animaux. T'es bien? Y a Igloo qui fait n'importe quoi. Ah, mais Igloo, il est perché. Hein. Est-ce que je peux monter? Oui. Oh, dommage. Vous voulez monter à l'arrière. Au revoir, Igloo. Là, il peut pas monter. Non, non, c'est pas ça, je... Igloo qui court plus vite. Quel 4x4. Ah, what the fuck. Mais tu nous fais quoi, là? Attends, je sais pas où je vais aller. C'est juste hors circuit, là. Ah oui, d'accord, la route, elle fait...
Ah, mais elle est même pas indiquée sur la carte. Mais non, c'est pour ça, je sais pas où on va. Ah, c'est chou. Ouais, tu vas en direction du point, hein. Tu roules à One Again et à Beastoufly. Il y a beaucoup, beaucoup de plaines, donc laisse béton. Hein. C'est quoi ça? Il y a un animal, je crois que c'est des écureuils. Oh, c'est des roquettes raccoons. Ouais. Oh, c'est des roquettes raccoons. Tranquille. Par contre, j'aimerais bien un 4x4 jaune. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Je veux un 4x4 jaune la prochaine fois. Attends. Moi, je suis un gars difficile, un gars chiant. Oui, une grotte. Trop bien. Qu'est-ce que c'est que ce Je crois qu'il y a une course dans cette grotte. Oh là plus. Là, oh là là. Mais ça va être bien ça, par contre. Il y a des là, oiseaux, a c'est des... quoi? C'est des totems? Des oiseaux? C'est vraiment des vautours. Oh, c'est des vautours. Oh la vache. Par contre, moi, je peux pas attendre prendre des photos. Ah bon? Bah, en fait, j'ai dû descendre. Parce que sinon, je pouvais pas. Oh, ils sont moches. Bah, c'est des vautours, quoi. C'est moche, un vautour. Ils ont des têtes de gland quand même. Mais non, je sais, enfin, ouais, je sais pas, ils sont pas beaux. C'est. Je les voyais pas aussi glandus de la face. C'est alors un peu là, gênant. Je crois qu'il y a un saut à faire. Un saut à faire pour un trésor. Oh oh oh! Animal rare droit devant. Chut, on descend. Ok. C'est un pont. Léon! C'est un pont. Mais. Léon, comment ça, Léon? Pourquoi t'as dit Léon? Il s'appelle Léon. Ah bon? Oui. Ok, bah tu t'appelleras Léon. Tous les ponts, ils s'appellent Léon. Voilà! J'ai un pan bleu. Et du coup, s'il y a un pan bleu, ça veut dire qu'il y a peut-être un pan rouge et un pan jaune et un pan arc-en-ciel. Alors là. Peut-être qu'il y a un pan déployé. Et voilà. Oh, Igloo, il est passé. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dois faire le tour. Non, sérieux? On a été mauvais. Stall. On peut pas? Si, si. Attends. Fais demi-tour. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est un 4x4 jusqu'à un certain niveau. Hein. Ah bon? C'est-à-dire que. Va derrière pour voir là. Ouais, non, mais je crois que c'est le bon côté. Mais qu'est-ce que tu nous fais faire? Oh là là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est un saut obligatoire pour passer. Oui. Putain, mais tu conduis comme une bille. Je sais pas comment le dire autrement. C'est une bille qui conduit. Vas-y, tout droit. Vas-y, trace. D'ailleurs, il y a un mec avec un message depuis tout à l'heure. J'espère que c'est pas important. Bah, les coups. Vas-y. Ok, ouais. Ça passe. Alors, où est le parapente? Il est où? À côté de la cabane. Là-bas. Putain, je vois plein de messages de partout, des photos. Oh, il y a un Jean. Ah, mais c'est Bona. On avait perdu. Et du saut élastique aussi, si tu veux en faire. C'est parti. Ouais, allez, c'est parti. Et si on a encore un petit peu le temps, ce qui va être chaud, on peut faire du saut. Ouais, à la limite, le saut élastique, ça dure 2 minutes. Hein. Allez, c'est parti. Alors, planer, flotter, se sentir comme en apesanteur. Je crois que c'est chiant, ça. Sérieux? Ouais. Oh, dommage, ça a l'air bien pour toi. Le parapente est fascinant, il permet de glisser dans les airs et une facilité déconcertante. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous dit d'avoir une vue d'ensemble de la station de montagne? Tout le monde peut le faire, pas besoin d'être un expert. Ce n'est pas toujours qu'on peut voler dans le ciel, croyez-moi. C'est le genre de chose qu'il faut essayer au moins une fois, alors préparez-vous. Alors, techniquement, je suis sûr que si tu le fais tout seul la première fois, ça se passe mal. Mais bon. Du coup, il y a décrocher et incliner. Comment ça décrocher? Décrocher, c'est un peu. Crever tous les ballons. Ok. Ah, mais ça se passe comme en ville, en fait. Ouais, mais c'est avec plus le Delta chiant. Oh. Oh. Eh, on se fait pas les meilleurs jeux, hein, dans cet épisode. C'est incroyable. Coucou. Kika. Oh, les pires. Oh, il y a du vent. Ouais, il y a du vent. Du coup, si je décroche, ouais, c'est pas... Qu'est-ce que quoi? Mais non, mais non. Oh la vache, par contre, effectivement, je suis bas par rapport à toi. Eh, par contre, attends, ça a l'air chiant de contrôle. Ouais. Ça a l'air chiant de ouf. Ouch. Ok. Heureusement que les ballons font la taille d'une maison. Parce que franchement, sinon, c'est. Je sais pas. Ok, il en faut encore au moins 5. En sachant qu'il y en a 5. Wouhou. Ah, je suis content. Alors là, je suis content. Non, ça va, franchement. Soit énorme, tranquille. Par contre, j'aimerais bien. Mais... Voilà, remonter un peu. Wouh! L'orientation est compliquée! Oh ouais! Quoi? Non, mais je te laisse faire, c'est bien. Oui, non, mais voilà, je récupère les ballons que t'arrives pas à faire. Merci. Je te vois, t'es tout petit en bas. Tata! Est-ce que tu veux que je te laisse celui-là à la limite? Comme ça, moi je pars direct faire les derniers. Oh, vas-y, fais ce que tu peux et moi je rattrape ce que tu peux. Oh, c'est lent. J'avoue, c'est pas... Comment ça se fait que t'as un... Ah ouais, d'accord, en fait, c'est encore en fonction de comment t'orientes ta mallette. Ouais. Tout à l'heure, j'ai un angle un peu pourri. Je suis très très lent, moi. Ouais... Allez. Oh la vache, tu m'as rattrapé. Attends, parce que du coup, depuis tout à l'heure, je dois faire... Oh là là, une mauvaise maîtrise avec tout ça, parce que... Ah, c'est mieux. Je vois pas le dernier. Comment? Non, ça je vois pas. Bah, moi, j'ai les 3, là. Pas de moi, problème. J'en vois que 2. Ah, mais toi, t'es une nana bizarre. T'es une nana bizarre. Ok, la grosse cerise. Ok, je te laisse avoir celui-là.
Pas de problème, je vais faire le dernier. Allez, 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 allez. Tain, c'est dommage, c'est pas la meilleure activité. Hein. Limite, je préfère encore le deltaplane de la station urbaine. Hein. Mais pourtant, bah, c'était sympa le deltaplane avec les parcours et tout. Je trouvais ça rigolo. Il arrive pas. Magnifique. C'est ça. Ok, fallait faire en moins de 6 minutes. On l'a largement fait en moins de 6 minutes. Mais c'est vrai que à terminer, ça va être pas la meilleure activité. Ouais, non, c'est chiant. C'est chiant, c'est le cas de le dire, c'est à toi de terminer puisque t'as avancé le jeu. Je te propose un soléastique et ensuite on s'arrête là pour cet épisode numéro 10 de notre aventure incroyable et de vacances sur Go Vacation, même si c'est la rentrée aujourd'hui. Et c'est pas grave, parce que du coup, c'est quand même une série pour combler un peu les trous de temps en temps et puis voilà, pour se détendre. C'est une série la cool. Ça vous a plu de payer dans les airs? Si vous voulez vous entraîner davantage, je vous conseille d'essayer le vol libre, pardon. Je n'arrive pas à parler. Tout va bien, c'est à toi de passer encore une fois. Voyez-moi ça, Tickets Master, vous venez d'établir un nouveau record. Ouais. Par contre, le canoë kayak, j'espère que c'est bien. Est-ce que c'est bien? Dis-moi que c'est bien. C'est difficile à contrôler. Mais ouais, c'est mais déjà plus dynamique, oui. Ah oui, ouh, tu m'as fait peur. Du coup, on nous conseille le kayak qu'on fera la prochaine fois. Parce que du coup, là, on va aller faire le soléastique qui est juste à côté. Est-ce que tu voudras pimper ton cheval? Ouais, mais je pimp my horse. Je le ferai en. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais juste, je te demande. Terminer sans activité 100 fois. Enfin, une activité 100 fois. Tu vois, en fait. Ouais, mais. Ah ouais, attends déjà. Attends, deux secondes, je regarde un truc. Non. Ah, comment ça, non? Je ne peux pas. Mais je crois qu'on est tous les deux level 39. Bienvenue, ça doit être super de se balader en nature à sa guise. Et une fois arrivé en haut de la montagne, il veut pousser un gris. Mais ici, on aime crier le mot élastique. C'est pas pourquoi. Vos amis peuvent vous encourager. Allez, c'est parti. Carte au trésor. Il y a 7 trésors ici. Il n'y en avait pas 5 avant? Non. C'est sûr? Oui. Ok, bah autant pour moi. Mais on n'en a pas vu un seul pour le moment. Hein. Oui, mais on n'a pas exploré. En fait, à la limite, la station urbaine, c'est le seul endroit où on a tout trouvé. D'un coup. Sans pression, sans réflexion, sans rien. Mais c'est vrai que pour le reste, on n'est pas encore totalement là. Falaise, Schnoubert, Macrae. Macrae ou Macrae? Macrae. Macrae. Oh ouais, oh ouais. Ok, tu te rappelles comment on fait? Oui. Vers l'arrière. Allez, 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 allez. Je sais que t'as plus de mal que moi, je sais que t'as plus de mal que moi. Je crois que j'ai été mauvais. Oh! Moi j'ai été mauvais. Oh, c'est bon, moi j'ai été mauvais. Ah, mais parce que je sais pas, c'est arrivé très très vite en fait. Tu vois, c'était très différent de la tour de l'Yggdrasil. Là c'était speed. C'était direct. Bon bah, du coup, je l'ai foiré. On le refait du coup? Ouais. Pour moi, histoire de dire. Et comme ça, on sera bien. Eh, il est facile ce saut élastique. Pour de vrai? Si j'y arrive, oui. Par contre, on a toujours pas revu d'autres sauts élastiques dans les endroits qu'on a déjà visités. Mais là, je sais où il y en a un autre. Il y en a un sur le pont tout en haut que je t'ai montré tout à l'heure. Ah, ça, c'est sûr. D'accord. Ok. My élastique! Merde, ça va pas marcher. Moi c'est bon, j'ai. Ok, 9-24. Bon, t'as clairement fait mieux. Mais je l'ai. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de l'avoir. Ah oui, oui. Les Kazmas, on va donc pouvoir s'arrêter là pour ce 10e épisode. On espère que ça vous a plu. Je suis content parce que les réglages que j'ai fait pour la caméra ont l'air de bien fonctionner. Ce qui veut dire que la suite devrait se passer bien plus facilement et les épisodes devraient sortir peut-être un petit peu plus vite normalement. En tout cas, si ça se passe bien. On va aller pimper nos chevaux en mode pimp my horse et on se retrouve très très vite pour du canoë kayak et plein de nouvelles activités. Quand tu vois le tennis comme ça, ça a l'air fou. Moi je te le dis, ça a l'air fou. Ça a l'air d'être en mode vraiment Mario Tennis, des techniques de ouf, de la customisation en crevé. Enfin, ça a l'air bien quoi. Gros bisous à tous, gros bisous à tous et à très bientôt pour cette aventure sur Go Vacation. Bazou.